Ok. Faut que je te dise. À l'été 1975, ma mère, Lily Boisjoli, a 28 ans. Elle est mariée avec mon père, Henri Jalbert, depuis 4 ans. Elle travaille à l'hôpital Notre-Dame. Ma sœur Nathalie a 3 ans, puis moi, ben, j'attends mon tour au paradis des enfants qui sont pas encore nés. Ma tante Martha a 25 ans. Elle est secrétaire pour un notaire. C'est en attendant parce que elle va se marier à l'automne avec Louis Bellavance, 25 ans aussi. Un gars qui fait des routes dans le Nord depuis 2 ans pour un nouveau chantier dont tout le monde parle puis qui s'appelle la Baie James. Louis Bellavance a les défauts de ses qualités. Il est insaisissable, comme le vent. Un bum. C'est pour ça que ma tante Martha est amoureuse folle de lui. Quand elle embarque avec lui sur sa moto, elle irait au bout du monde. Mais elle n'ira pas si loin. Au mois de juin 1975, Louis Bellavance est gravement blessé dans un face-à-face dans le 6e rang de Saint-François-Xavier-de-Vigier. Multiples fractures, lésions internes. Louis va être hospitalisé pendant 11 semaines. Il va se faire opérer 4 fois. Ma mère s'occupe de lui à l'hôpital, tous les jours. Elle accepte de faire des heures supplémentaires. Au cours de la 8e semaine d'hospitalisation de Louis, ma tante Martha arrive à l'hôpital avec un gros panier de pommes dans les bras, puis elle surprend ma mère, Lily, puis son chum, Louis, en train de s'embrasser passionnément. Le panier tombe. Les pommes roulent dans le corridor. Ma mère promet de demander un transfert, puis de plus jamais revoir Louis. Elle supplie ma tante Martha de lui pardonner, puis de rien dire à Henri. Ma tante Martha accepte, même si dans le fond, elle n'a rien à gagner dans ce deal-là. Elle dit rien. Elle se mariera jamais, puis elle va déménager en Ontario. Quand elle va revoir ma mère, une année sur trois, pour faire plaisir à sa mère à elle, elle va faire comme si de rien n'était. Quand grand-maman va mourir, en 2001, ma tante Martha va prendre l'autobus sans regarder en arrière, puis elle donnera plus jamais aucune nouvelle. Qui me l'a dit? Ma mère, 2 mois avant de mourir. Pourquoi elle l'a pas dit à Nathalie? Parce qu'elle avait peur qu'en apprenant ça, Nathalie l'aime plus.